Ivoirien, il y a quelque chose que vous allez faire que moi je ne vais pas aimer. Je sais que dans votre cœur là, vous aimez les gens. Tellement aimable que le remise de Malosque là, je suis sûr que vous allez partir regarder. Vous allez partir regarder autant de fois que vous avez regardé pour Debordeaux. D'abord de un, Malosque se lève, il se permet de manquer de respect à Debordeaux. Il s'arrête pas là, il se permet de manquer de respect à la nation ivoirienne. Que les artistes ivoiriens vont chercher des musiques de chez eux. Sans eux, nous, on n'est rien. Je sais que vous allez partir regarder, écouter le son qu'il va faire sortir. Les gars, si vous faites ça seulement, vous allez verser la honte sur nous. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire, quand sa chanson la sort là, que personne ne regarde la chanson. Je sais que vous allez dire non, vous allez faire ça pour Prince Aimé. Prince Aimé, Prince Aimé, laissez ça de côté d'abord. Nous, notre objectif là, c'est de donner, comment on appelle, le 10 d'or à Debordeaux, de Koufa. Sinon, que si la chanson sort, non seulement, comment ce Malos là, Malos se permet d'abord de 1, de faire son remix avec le style, coupé décalé. Son remix là, c'est un style coupé décalé. Ça là, on parle pas de ça, hein. On parle pas de ça. On parle pas de ça. Personne ne voit, personne n'entend. C'est un style coupé décalé. Parce que il sait que s'il fait ça avec le style camerounais, ça va pas prendre. Donc ils vont faire ça avec un style coupé décalé et un peu de rap, un peu de. Vous voyez, non? Voilà. Maintenant, quand Debordeaux dit Viviane, qui m'a fait comme ça? Viviano, Viviane, c'est toi qui m'as vidé les pochons. Oh Viviano, 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 Viviano. Ils ont essayé de faire pareil que de Bordeaux, mais ça sonne toujours camerounais. J'ai dit les gars, l'accent ivoirien est inné. L'accent ivoirien est inné. Donc les gars, je vous dis ici, pardonnez, quand la chanson sort, ne partez pas écouter. Les Ivoiriens, ne partez pas écouter cette chanson-là. Laissez les remises là dans les mains comme ça, comme poto-poto, comme façon de Bordeaux à laisser là. Façon de Bordeaux à laisser, façon nous on a dit à de Bordeaux, laisse la chanson, faut pas toucher. Laisse ça. Voilà, laissez cette chanson là comme ça. Que personne n'écoute, que personne ne va. Je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont curieux. Ivoiriens trop curieux. Oh, ça me fait mal déjà. La chanson n'est pas encore sortie, mais ça me fait mal. Ça me fait mal. Les gens vont dire que non, la Côte d'Ivoire craint. La Côte d'Ivoire craint pas. On n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Mais Ivoiriens n'aiment pas. J'ai la honte quoi. Ivoirien n'aime pas la honte. Les trucs de honte. La honte sur un Ivoirien, il ne va jamais accepter. Ivoirien ne va jamais accepter. Malos a essayé d'humilier Debordeaux. Il a voulu humilier Debordeaux, piétiner Debordeaux, écraser Debordeaux, faire tout ce que lui veut de Debordeaux parce que Debordeaux a fait, il a ressuscité la chanson de Prince Aimé et lui va se permettre avec ses losses-là de manquer de respect à Debordeaux. Donc les gars, laissez les chansons dans les mains. Nous, on va faire. On va se concentrer sur Debordeaux. On va lui donner le 10 d'or. Et puis c'est fini. Sinon, qu'est-ce que ça fait de Malos là? Et si Malos veut là, il n'a qu'à faire la chanson là avec Yemi Alade, il n'a qu'à faire avec Chris Brown, il n'a qu'à faire avec Bruno Mars. On va. Et les Ivoiriens ne partent pas regarder la chanson là. Laissez la chanson là tranquille même. Ne touchez même pas les chansons. Si vous faites ça, vous avez trahi la nation. Vous avez trahi les Ivoiriens. Vous avez trahi Debordeaux du Koufa. Si vous faites ça seulement semblant d'aller regarder, vous avez trahi Debordeaux. Laissez au moins 10 jours ou bien 2 semaines passer où la chanson, on sait que la chanson est couchée dans la poubelle quelque part là-bas. Là. On va partir regarder un peu à la fenêtre. On ne regarde pas tout. Hein. Chacun s'en va regarder au moins 2 minutes seulement par YouTube. Non, non. Si on regarde YouTube. Non, 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 pardonnez. 2 minutes, c'est trop. Chacun s'en va regarder 2 secondes ou bien 2 secondes, 3 secondes. YouTube prend les vues à partir de 35 secondes. YouTube prend ça en compte. Donc les gars, s'il vous plaît, calmez-vous. Si Malos fait sortir la chanson, que personne, je dis bien, que personne ne peut te regarder la chanson. Que personne ne peut te regarder la chanson. C'est quoi ça? Toi, t'as de lever, t'es los là, Malos, Malos, Maudia de Malos. Maudia, Ploco, Placa, Beurre de Malos. Il dit, personne ne regarde la chanson. Voilà, ils ont essayé de copier de Bordeaux du Koufa. Viviane, qui m'a fait comme ça? Viviano. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les pochons. Oh, oh, Viviano. Viviano, oh, Viviano. Viviano. Ils ont essayé de faire comme lui. Mais ils n'ont pas pu. Ça sonne toujours camerounais.
Camerounais. Et dit les gars, Ivoiriens, non, non, j'aime trop les Ivoiriens. Tellement qu'ils ont un cœur en or, rempli d'amour, ils vont aller regarder la chanson, ils vont donner les vues, disant que non, on veut aider Prince Aimé. Pourtant, là, c'est pas Prince Aimé. C'est Malos qui va venir s'étirer tous ces genres de trucs. Il va venir se rendre important sur les réseaux pour venir dire oui, on a fait, on a essayé. En tout cas, ça a pris, ça a dépassé pour du Bordeaux. Maudia de Malos. Eh, c'est la los là. C'est de ça qu'il s'agit. Maudia, encore beaucoup. Sarah Messan, faut pas toucher à ma vidéo, pardon.